ennemis, je répondrai à l'appel. Oubliez vos petites rivalités, Kravchenko. Le capitaine Reznov fera ce qu'on lui dira. Il n'y a ici qu'un seul Allemand qui nous intéresse. Le docteur Friedrich Steiner. Cet homme a offert ses services à notre cause. Il ne doit pas être blessé. Désobéissez à cet ordre. Et vous serez fusillé. Passé à Stalingrad, Dragovich et toi. Au début de l'occupation allemande, lui et son caniche Kravchenko nous ont laissés dans une situation désespérée. Ils ont promis d'envoyer des renforts. Mais personne n'est venu. Dragovich et Kravchenko sont opportunistes, manipulateurs. On ne peut pas leur faire confiance, Dimitri. Dimitri Petrenko était un des hommes les plus braves que j'ai connus. Il a combattu à mes côtés du siège de Stalingrad à la prise de Berlin. Les blessures qu'il a reçues au combat auraient dû lui valoir d'être renvoyé en Russie et accueilli en héros. Mais Staline l'avait fait. L'Allemand ne doit pas être blessé. Il nous faut Steiner vivant. Allez-y, tous les deux. On y va. C'est bon de se battre à nouveau avec toi. Oui, mon ami. La victoire finale. Fouillez ce camp de fond en comble. On ne doit épargner que Steiner.
sera là où vont tous les lâches, aussi loin que possible des combats. Après cette mission, tu crois qu'on rentrera chez nous? Je l'espère. Come on, baby.
que tu me conduises à Dragovich. Alors, je regarde le même. Je À ce moment, chaque fibre de mon être aspirait à mettre fin à la vie de ce monstre. Mais j'étais un soldat. Je croyais encore aux hommes. Reznov, amenez vos hommes. Qu'est-ce qu'il y a de si important ici? Le général Dragovich compte bien se faire à un nom. Il croit que cet avant-poste abrite une chose de grande valeur pour notre patrie. Dragovich et Steiner parlent comme de vieux amis. N'aime pas ça, Reznov. Moi non plus, Dimitri. Reste sur tes gardes. Faut se dépêcher. Certains Allemands préféreront le détruire plutôt que de le voir capturer. Vous m'aviez assuré qu'il n'y aurait pas de problème. Je n'ai aucune prise sur les actes des SS, général Dragovich. Ils ont juré de défendre le Reich jusqu'à la mort. Noble. Mais en vain. Kravchenko, finissez-en. Reznov, vous passez devant avec vos hommes. Oui, sir. Petrenko, Nevski, Vedov, Vikaïm. On se met en route. Dites-moi en plus sur votre participation au projet Giftiger Sturm. En 1943, le Führer a réalisé qu'on pourrait plus retenir les Alliés très longtemps. On a alors cherché des solutions non conventionnelles. Durant toute la guerre, j'ai consacré mes recherches aux armes chimiques. C'était un travail méticuleux et frustrant. Mais on est quand même parvenu à créer une arme plus efficace que tout ce qu'on avait imaginé. L'arme qui se trouve à présent en tant que navire. Novas. Quelle que soit l'efficacité de votre Nova 6, il vous fallait trouver le moyen de le répondre. Fusée V2 à longue portée lancée depuis cet avant-poste. Les cibles étaient les centres de commandement. Washington était notre première cible. Puis Moscou. Ambitieux et logique, Herr Steiner. Mais c'était trop tard. Les Anglais étaient là et leurs bombardiers ont bloqué ce navire. Rayé dans la glace, on a tenté de reprendre la mission. Mais c'était trop tard. L'Allemagne avait capitulé, et le drapeau rouge flottait sur Berlin. Les SS avaient ordre de détruire le navire en cas d'attaque. A priori, ils ont échoué. Les explosifs n'ont pas été activés. Nous y sommes. Reznov, ouvrez la porte. Trouver ce qu'on cherchait. Nova 6. L'arme allemande de destruction massive revenait à mère patrie. C'est ce qu'on a cru. Notre victoire fut de courte durée. Dragovich voulait voir de ses propres yeux les effets du poison. Il a choisi de tester le Nova 6 sur ses propres hommes. Sur moi. Et sur mon ami, Dimitri Petrenko. Non seulement Dragovich et Kravchenko ont collaboré avec le nazi Steiner. Mais ils étaient prêts à sacrifier leurs propres compatriotes pour les tests de leur arme abominable. Ils se sont servis de cobayes. Dimitri Petrenko. Les autres. Dimitri Petrenko était un héros. Il méritait de mourir en héros.
Je regardais mourir mon meilleur ami. J'étais vraiment prêt à le rejoindre. Mais le destin s'en est encore mêlé. Bien sûr, Dragovich, Kravchenko et Steiner ont filé comme des rats. Et j'ai dû lutter seul contre les Anglais. Les commandos anglais attaquent nos positions! Je vais armer les explosifs. On va envoyer ce navire tout droit en enfer. Aucun vent ne doit mettre la main sur l'arme abominable. Il est là, Bruno. Abattez. Bien vu. Le générateur. Il a raison. Il est là. Bien vu. Terminé. Il nous faut avec ça. Tiendra pas longtemps. Arme les explosifs, Reznov. Allez, il faut descendre de ce navire maintenant. Je n'ai découvert les véritables intentions de Dragovich qu'après avoir été capturé et envoyé à Vorkuta. Il préférera mourir que d'abandonner le Nova 6. Mais ça, écoute-moi. Nous n'avons plus le temps.
chefs la détruiront? Ne vont-ils pas plutôt l'utiliser? Le drapeau peut changer, les méthodes restent les mêmes. Ils se serviront de toi comme ils se sont servis de moi. À toi de décider. Décider de ce qui vaut la peine d'être défendu. Dragovich, Kravchenko, Steiner, ces hommes.